Alors on va continuer on va tenter de poursuivre avec donc un retour au cyclisme. Les championnats du monde, vous le savez, c'est la semaine prochaine. Et dans la catégorie espoir, c'est-à-dire les moins de 23 ans, eh bien, il y a 5 coureurs belges qui ont été sélectionnés. Parmi eux, il y a un francophone, Philippe Gilbert. Il a 19 ans, présentation donc avec Sébastien Joris. Jours de course depuis le début de la saison, autant de fois que Philippe Gilbert répète ses gestes, mais aujourd'hui, ils ont une saveur toute particulière. 15 km séparent Romouchamps de Spa, lieu de rendez-vous avec l'équipe nationale, quelques jours de stage avant de s'envoler pour Lisbonne, une sélection pour les championnats du monde acquise il y a quelques jours seulement. Et voilà, tout est dedans. J'avais vu que j'étais mis en réserve, c'était un peu une déception. Mais ici, j'ai encore bien roulé ce week-end en France. Et j'ai appris, cela dit, que j'étais sélectionné. C'est vrai que c'est un peu un honneur de représenter son pays comme ça au championnat du monde. Et ça fait plaisir. Combien de 26, champion. Avec qui? Frédéric Willems. Ok, ça va. Parce que les trois clowns ensemble, c'est mieux. C'est un peu un mode de vie, il faut vivre à fond pour le vélo, il faut pas dire je roule un mois, puis un mois je sors, etc. Il faut prendre du début à la fin. L'hiver, il faut rester sérieux, etc. Il faut pas prendre de points, il faut vraiment faire attention à tout. Et ça, ben, ça paye au long terme. À 19 ans, Philippe Gilbert a déjà dû prendre des décisions importantes pour l'avenir. Fini l'école, sa vie est désormais consacrée au vélo. En course comme à l'entraînement, il veut parfois trop bien faire, mais ses sacrifices, il ne veut pas les regretter. Dès lors, il s'implique à fond, conscient qu'une carrière peut basculer sur un détail. Ça ne tient à rien, là. Une carrière cycliste, un accident peut arriver, n'importe quoi. C'est un choix aussi, ça. J'ai tout misé sur le vélo, si ça me rapporte. Si je passe professionnel un jour et que je réussis, ben, j'aurais bien réussi ma vie. Si je rate, ben, il est encore temps de faire autre chose plus tard. Le professionnalisme, Philippe y pense déjà. Cependant, rien n'est acquis. Sa première saison espoir est une réussite, mais il faut confirmer. Si les résultats suivent, il pourrait peut-être tenter sa chance au plus haut niveau. C'est à discuter avec le directeur sportif, ça. Si on me laisse, si j'arrive à avoir un contrat, qu'on me laisse tranquille un an ou deux sans pression, me laisser grandir, on va dire. Là, j'accepterai, mais si c'est pour aller dans une petite équipe et être leader, entre guillemets, ça j'aime mieux encore rester un espoir, tranquille. Grandir calmement, la priorité est celle-là. La patience est une vertu souvent oubliée. Lisbonne est seulement une étape parmi d'autres.